Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à l'édition du 20h du FFNJT de cette 13e édition du Festival du film d'un jour. Au programme, nous commencerons déjà par vous présenter Pat la Patate, unique rescapé de la team, ou plutôt des bourreaux de la team cuisine. Il nous accompagnera tout au long de ce Festival du film d'un jour, dont nous rappelons qui est la 13e édition. À 13h, à Sévenan, c'est au total 12 équipes en compétition qui étaient dévoilées, ainsi que 2 équipes hors compétition. Cette année, le thème révélé est huis clos. Nous espérons que ce thème saura inspirer les équipes en compétition. Alors, je suis avec Iris. Bonjour Iris. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous ressentez comme impression? Qu'est-ce que vous avez comme impression pour cette première journée du Festival du film d'un jour? Pour l'instant, c'est assez calme. Hein. On est assis et on mange des chips en parlant. Donc, Ah mais oui, c'est très bien. Enfin là, ça va commencer à accélérer un peu. Donc qu'est-ce que vous pensez du thème, de la contrainte qui vous a été imposée? Donc en fait, on pense partir sur une promotion du patrimoine de Belfort en s'enfermant dans une pièce pendant une journée. Et en lisant du Racine. Non mais sinon, c'est top, ça nous permet de pas faire ce qu'on fait d'habitude, surtout. Un vrai exercice dont on n'a pas l'habitude. C'est toujours sympa de travailler avec un thème, donc c'est cool. Par contre, on a vraiment bugué sur le huis clos. On sait toujours pas si c'est une faute d'orthographe ou si c'est un 8. Enfin, maintenant, on veut plus le savoir. On a deux scénarios alternatifs. On va un petit peu parler de votre équipe en particulier maintenant. Est-ce que vous avez un défaut, une qualité dans votre équipe? Ça a l'air d'être dur comme question. J'ai un petit défaut, mais c'est aussi une qualité, c'est qu'on est quand même un peu con. Du coup, mais après, ça fait des bonnes vidéos derrière. Donc c'est bien. Moi, j'aimerais du coup rebondir là-dessus. En fait, on est pas très compétent, mais on est en. Voilà, on est pas très compétent, mais on est encore pire niveau acting. Voilà, donc c'est voilà. Est-ce que vous auriez une devise d'équipe, une phrase? Iris, c'est bien. Voilà. Merci. On peut même le remarquer, même le président de la République a prononcé cette phrase. Donc, Alors bonjour, je suis avec Mankey Media. Bonjour Mankey Media. Donc on va vous poser quelques questions. C'est quoi vos premières impressions pour cette première journée du FFNJ? Pour l'instant ça va, on n'est pas encore trop stressé. On cherche des idées à mort pour essayer de sortir le scénario le plus original possible. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de pression. Ça va. Qu'est-ce que vous pensez du thème et de la contrainte qui vous a été imposée? Moi, je trouve que le thème, il nous enferme un peu dans nos idées. Voilà, c'était pour la blague. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre équipe en général? Est-ce qu'il y a des défauts, des qualités? Ah, je vois que vous êtes inspiré. Le truc, c'est qu'on est une équipe... plutôt handicapé, donc on a une personne très malade ici, on a décidé de l'intégrer dans notre équipe. Faut pas trop lui dire, elle a tendance à être très très émotive. On a une personne ici qui a beaucoup tendance à trembler des mains, une grande maladie, voilà, là il est normal. On a un Belge, bon voilà, c'est tout. Et la pauvre cocotte, elle a perdu ses parents étant petite. Donc voilà, c'est vraiment, j'accompagne toute cette équipe tout au long, très belles compétences humaines pour les accompagner et pour gagner cette magnifique équipe. Ouais, je sais, merci. Ouais. Eh bien, vous avez du courage. Et oui, le FFNJ, on a un festival voilà, qui accepte la différence, qui accepte tout le monde, et c'est bien de le souligner, en effet. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation? Est-ce qu'on est vraiment des personnes... non professionnel, totalement, voilà. Est-ce qu'on s'est bien occupé de vous? Est-ce que Anne, elle s'est bien occupée de vous? Moi, ça fait 3 ans que je viens, elle 2 ans. Donc, du coup, si c'était vraiment mal organisé chaque année, on ne reviendrait pas. Du coup, c'est vraiment cool à chaque fois. C'est bien. Comment les équipes vont-elles surmonter ce défi? Eh bien, nous le découvrirons samedi soir à la Malse de Sochaux pour la cérémonie de clôture dans laquelle les œuvres seront diffusées. Mais le thème n'était pas la seule contrainte cette année, car l'équipe organisatrice a décidé d'ajouter également une scène en alexandrin que les équipes devront ajouter dans leurs œuvres. Nous verrons lors de cette cérémonie de clôture comment est-ce que les équipes auront réussi à
s'approprier ces deux défis. Demain, vendredi 11 mai, les équipes qui auront pris le plus d'avance sur le scénario pourront tourner leur première scène. Et pour tout le public, nous vous invitons dans le centre-ville de Montbéliard, dans le square Paul Reisner, pour un jeu de piste qui sera tenu de 11h à 19h. Ce jeu de piste sera également tenu le samedi. Météo. It's me, Météo. Sans transition, passons à la météo. Un puissant anticyclone va chasser les ondées nuageuses de la journée d'aujourd'hui pour laisser place demain, vendredi, à un magnifique soleil sur tout l'est de la France. Demain, nous fêterons la Saint-Estelle et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Après la météo sur notre chaîne, vous pourrez découvrir le célèbre film de Luc Besson, Dunkerque. S'en suivra ensuite 13 épisodes de Louis la Brocante. Merci à tous d'avoir suivi ce JT et nous vous donnons rendez-vous à l'édition de 20h du JT de vendredi. Très bonne fin de soirée.